lorsque les interdictions deviennent excessives, récurrentes, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que nous, nous considérons le droit de manifester comme une soupape de sécurité. C'est vrai, à un certain moment, on peut dire qu'on n'est pas en mesure d'encadrer, on n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de maîtriser, ainsi de suite. Mais l'autorité doit prendre toutes les précautions. Parce que vous interdisez aujourd'hui, demain, mais la soupape risque de, un jour, de sauter. Autrement, vous dites que laisser les gens s'exprimer par des manifestations, ça soulage ou ça dégage les esprits. Oui, oui, c'est une soupape de sécurité. Parce qu'au moins là, l'autorité sait pourquoi ces gens-là manifestent ou marchent. Parce qu'il y a toujours, je veux dire, un élément, il y a toujours un message que l'on apporte vis-à-vis, n'est-ce pas, de l'autorité. Et c'est à cette occasion que l'autorité peut prendre des dispositions par rapport à ces messages-là.